Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Soubonne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages du commun et des histoires mystiques. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, abonnez-vous tout simplement et activez la cloche. Si vous laissez un j'aime, ça va vraiment nous aider et pour, si vous partagez cette vidéo, ça va aussi aider d'autres personnes. Grâce à vous, des gens vont apprendre des choses mystiques et feront attention. Un enfant voit des choses mystiques ici ou à l'école. De quoi s'agit-il? Écoutons ça. Moi, je vais raconter une histoire pour demander aux parents de bien surveiller leurs enfants, surtout quand ils sont à l'école, en fait. Faut savoir que moi, je crois que l'histoire s'est passée, j'étais en cinquième. Et à l'époque, j'avais commencé à fréquenter un groupe très étrange. Genre, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça, c'est une autre histoire. Mais il faut savoir que il faisait vraiment en fait des pratiques bizarres et tout. Et dedans, il y avait même des personnes qui rentraient en transe et tout, qui parlaient en latin. Vraiment, c'était très étrange. Et en fréquentant ce groupe, comme j'ai dit, j'étais en cinquième avec ma copine. Et il y avait un garçon, il était en quatrième. Et il s'intéressait à ma copine. Donc, le garçon, on va dire comme on dit chez nous au Gabon, il avait les yeux ouverts. Il voyait plein de choses qui se passaient et tout. Souvent, en cours, il était là et il était comme figé, il regardait le plafond. Et quand on lui demandait qu'est-ce qu'il voyait, il disait non, il voyait des serpents au plafond et tout, en plein cours. Et donc, vu que le gars, il s'intéressait à ma copine, personnellement, je n'étais pas très proche de lui. Je le connaissais juste au travers de ma copine. Mais à force de fréquenter ma copine, vu que j'étais tout le temps avec elle, j'ai commencé un peu à traîner avec lui. Et avec le temps, je me suis rendu compte que le gars, vraiment, il était très étrange. Il ne regardait pas les gens dans les yeux. Il avait toujours le regard dissipé. Et à un moment, il a commencé à arrêter de venir à l'école. Quand il arrêtait de venir à l'école, il y avait plein de rumeurs qui couraient sur lui, comme quoi il était fou. Les gens se moquaient de lui, etc. Parce qu'on était au collège, quoi. On était un peu tous des enfants. Mais vraiment, ça parlait beaucoup de lui dans l'école. Et quelques temps après, sa maman est venue à l'école et allée voir l'administration et a demandé à ce qu'on l'enlève de l'école. Ben, l'administration était intriguée parce que même l'administration avait eu vent du comportement de l'élève. Et donc, la maman, en parlant avec l'administration, elle avait raconté que elle avait confié au membre de l'administration que le garçon avait essayé d'ôter la vie à son petit frère. Donc, il avait agressé son petit frère, il avait failli lui ôter la vie. Et c'est pour ça que ben, elle souhaitait l'enlever de l'école pour l'interner. Parce qu'apparemment, il n'était plus. Selon elle, il n'était pas bien dans sa tête. Or, pour ma copine et moi qui le fréquentions quand même assez à l'école, on savait qu'il avait un gros problème spirituel. Mais sa mère n'était pas une personne très spirituelle. Donc, elle ne pouvait pas comprendre. Et après, ben, il a été enlevé de l'école. Tout le monde se moquait de lui. Tout le monde disait qu'il était fou. Qu'il avait. Des problèmes mentaux. Vraiment, c'était devenu le sujet de moquerie de toute l'école. Or, ma copine et moi, vu qu'on était assez proches de lui, on savait ce qui se passait. Et comme je vous ai dit au début, lui, je l'avais connu parce que je traînais avec un groupe assez flou. Et donc, encore pour dire encore, ben, je sais qu'il y a des parents dans le live, surveillez vraiment beaucoup vos enfants. Parce que déjà, lui, sa maman, n'était pas une personne ni de prière, ni axée sur le spirituel. Donc, quand on en fait des histoires comme ça, la chose à faire, ce n'est pas de l'interner. Peut-être essayer d'aller voir à l'église des pasteurs ou à la tradition. Ça dépend des croyances de tout un chacun. Et de mon côté aussi, bon, c'est vrai qu'avec le temps, j'ai arrêté les fréquentations que j'avais. Mais le groupe que je fréquentais, vraiment, c'était un groupe pas bien, quoi. Je me souviens à la tête du groupe parce que c'était vraiment lui qui était à la tête. Moi, à l'époque, j'avais 12 ans. Le gars, il avait 17 ans. Et il ne traînait qu'avec des enfants. Vraiment, et il avait, on va dire, comme une ascendance
spirituelle sur nous. Donc, vraiment, c'est pour dire que les enfants, pardon, les parents surveillent beaucoup vos enfants. Et si votre enfant se comporte bizarrement, commence à avoir un comportement étrange, ne vous dites pas tout de suite, l'enfant est fou. Même là, quand vous partez chez le médecin, la paranoïa ne vient pas seule comme ça a toujours un déclencheur. Donc, essayez d'abord de voir ce qui s'est passé avant de dire oui, on va emmener à l'hôpital psychiatrique, etc. Or, le problème est spirituel. Voilà, c'était tout pour mon histoire. Merci. Vous avez entendu ça? Ça a dit long sur le sujet. Pendant que vous envoyez vos enfants à l'école, il y a d'autres qui viennent spécialement à l'école pour perturber les enfants des autres. Et ce sont des trucs pareils qui arrivent. Il y a un enfant qui avait été initié, lui aussi voyait ce genre de choses. Son ami de classe avait juste touché ses yeux seulement et il a commencé à voir des choses mystiques comme ça, comme les serpents sur le tableau. La même chose, hein? Ça ne change pas. Le diable ne change pas sa manière de s'asseoir. Vraiment, prions beaucoup. Apprenez vos enfants à prier avant de les envoyer à l'école. Ah. Nous allons écouter une jeune femme qui a une histoire à côté. C'est parti. C'était une amie. Je vais prendre un nom d'emprunt comme ça. Bon, Anna. Voilà. C'était ma meilleure amie. Bon, on faisait pratiquement tout ensemble. Donc, on a pris une grossesse ensemble. On a pris la grossesse ensemble. On était dans les mêmes mois. Mais à chaque fois qu'elle va à l'hôpital, bon, par exemple, si ce mois, elle est partie à l'hôpital, elle a 32 semaines. Le mois prochain, qu'elle va faire l'échographie, on lui dit qu'elle a 30 semaines. Donc, sa grossesse reculait au fur et à mesure. Il dit, mais c'est pas normal. Donc, on est resté dans ça. Moi, j'ai accouché avant elle. Donc, quand il a vu qu'après mon accouchement, elle n'accouchait toujours pas, il dit, bon, allons voir un gynécologue si on peut te faire une opération. Donc, avant de faire l'opération, le gynécologue a demandé de faire une autographie encore. Et là, on va faire l'échographie. Elle a 28 semaines. Il dit, non, qu'est-ce que l'enfant fait un retard? Donc, on va faire la césarienne. Bon, après la césarienne, ils ont découvert qu'elle avait une grosse boule encore dans le ventre. Et le médecin a enlevé ça. Donc, l'enfant est né. Arrivé à la maison, elle a appelé sa belle-mère pour que sa belle-mère vienne rester auprès d'elle. Il dit, mais pourquoi tu n'appelles pas ta maman pour venir rester auprès de toi? Elle me dit comme ça que, à chaque fois que ma maman, ça va rester auprès de mes soeurs après l'accouchement, celle-ci meurt après. Donc, elle n'aimerait pas que sa maman vienne auprès d'elle. Elle dit, bon, ça serait mieux que ta maman vienne, puisque ta belle-mère n'a pas le temps, tout ça. Et elle me refuse de venir. Elle dit, ah, comme tu le dis. Donc, c'est dans ça qu'on a fait appel à sa maman. Et quand sa maman est arrivée, elle est venue avec un petit garçon d'environ de 10 ans comme ça. Il dit, ah, mais la vieille, toi, tu viens surveiller quelqu'un, puis tu envoies un autre enfant encore. Elle dit, non, que elle va envoyer l'enfant. Il dit, ah, ok. Bon, depuis que la vieille est arrivée, ma camarade s'est plus retrouvée. À chaque fois, elle était malade, à chaque fois, elle était malade. Donc, je dis, ah, allons à l'hôpital. Elle me dit, non, sa maman ne veut pas qu'elle aille à l'hôpital. Et ça, je dis, pourquoi? Elle dit, ah, elle ne sait pas. Arrivé un moment, elle ne marchait plus. C'est dans ça qu'elle m'a appelée. Elle dit, ah, Chantal, si tu ne viens pas me prendre, vraiment, je vais mourir. Chantal, si tu ne viens pas me prendre, vraiment, je sens que je vais mourir. Donc, c'est dans ça, moi, je suis partie avec ma maman chez elle. On est partie la chercher pour l'envoyer à l'hôpital. C'est dans ça, sa maman a commencé à nous maudire. Que si quelque chose arrive à son enfant, qu'elle nous tient responsable. Et ça, il dit, ah, par la grâce de Dieu, rien ne va arriver à ton enfant. Maintenant, arrivé à l'hôpital, ils l'ont hospitalisé. Donc, ma maman est partie dans la douche pour aller uriner. Elle a senti une attaque. Elle a senti que quelque chose l'a attaquée. Dès qu'elle est sortie, elle dit, ah, que ma fille, vraiment, je ne comprends rien. J'ai reçu une attaque dans la douche, là, vraiment, ça ne va pas. Ramène ta copine chez elle à la maison. Sinon, toi, tu risques de rester dans cette histoire. Il dit, mais maman, si elle va, qu'elle meurt, comment on fait? Elle dit, ah là, ce n'est pas ton problème. Mais là, la même, là, elle ne peut pas passer la nuit avec nous à l'hôpital ici. Donc, c'est dans ça qu'on a envoyé l'enfant, ma copine, chez sa mère.
Et en partant, elle me dit, ah, mais Chantal, tu vas me déposer chez ma maman. Et si je meurs? Je dis, non, tu ne vas pas mourir. Tout ce que Dieu fait, bon. Mais quand on est parti, je dis, ah, on n'est qu'à se retourner au CHU. Elle dit, non, on n'est qu'à déposer l'enfant de la dame. On n'est qu'à partir. Elle-même n'est qu'à envoyer son enfant en hôpital. On allait la déposer. On est retourné à la maison. Cette nuit, j'avais une amie que je l'ai appelée. Non, d'apprendre Annie. Voilà, Annie, je l'ai appelée, puis je l'ai expliqué le problème. Elle dit, bon, Chantal, dans ce cas, demain, je viens pour qu'on puisse aller la chercher pour l'envoyer à l'hôpital. Elle dit, OK. Donc, le lendemain, quand la fille venait, d'abord, quand elle venait pour venir, pour qu'on puisse la récupérer, elle a eu un accident. Elle me dit, ah, Chantal, je venais, mais j'ai eu un accident. Je dis, ah, mais c'est grave, non, c'est pas grave. Mais quand même, je viens. Elle est arrivée. On a pris la fille. Sa maman dit, il ne faut pas qu'on bouge avec la fille. On dit, non, on va l'envoyer à l'hôpital, au moins, si on fait les traitements, puisqu'elle n'a même plus de sang. Elle dit, non, elle ne veut pas qu'on bouge avec la fille. C'est dans ça, maintenant, son mari en question dit, ah, il y a des pasteurs qui vont venir prier pour elle. Donc, quand les pasteurs là sont arrivés, ils ont commencé à faire des prières. C'est dans ça, elle dit, non, qu'il y a les gens qui viennent compter ses jours. Il y a les gens qui viennent compter ses jours. Elle dit, ah, comment ça? Elle dit, oui, quand on lui dit, il lui reste 3 jours à vivre. Le pasteur dit, ah, par la grâce de Dieu, tu ne vas pas mourir. Maintenant, comme ça, on est resté en train de prier. Et puis, elle dit, ah, ils sont arrivés, ils sont assis dans le fauteuil. Il dit, quel fauteuil? Le fauteuil est en face de toi. C'est dans ça que j'ai enlevé ma chaussure. Moi, je ne voyais pas bien, puisqu'elle disait. Donc, quand j'ai lapidé dans le fauteuil, la vieille étant dans la cuisine, a crié. Donc, nous tous, on s'est rassemblés pour aller voir ce qui se passait dans la cuisine. Elle dit non, qu'elle voulait mettre le riz dans la marmite et l'eau chaude a brûlé sa main. On dit, ah, OK. Donc, on s'est retourné. C'est dans ça que les pasteurs me disent qu'ils ont dit à manger, ils ont dit à manger quoi? Que là, eux ne peuvent plus rien faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de prier pour son âme. C'est dans ça, on est rentré. Le lendemain, on est revenu. On dit, on ne peut pas s'asseoir comme ça et puis on va attendre. C'est qu'elle va mourir sous nos mains. Pour ça, on va l'envoyer à l'hôpital. Elle a appelé tout le monde. Elle dit, ah, merci telle personne, merci telle personne, merci telle personne. Et puis, on l'a envoyé à l'hôpital encore, au CHU de Cocody, Abidjan, ici. Donc, étant à l'hôpital, on nous dit que non, elle n'a plus d'air dans son poumon, tout et tout et tout. On dit, nous allons faire les traitements. On dit, OK. Dieu merci. La nuit, elle a commencé à parler. Quelqu'un qui ne parlait pas, qui était paralysé. Elle me dit, non, que, ah, mais Chantal, ça va, il faut rentrer. Il faut rentrer pour quelque chose, je me repose. Et ça, je dis, non, tu ne peux pas te reposer. Puisque tu es si perfusion, je vais rentrer comment? Tu vas te reposer comment? Elle dit, non, je veux que tu quittes à côté de moi ici. Je dis, non, je ne peux pas partir. Elle dit, non, pardon, fais à cause de Dieu, il faut partir. Quitte à côté de moi. Dès que je suis sortie de la chambre, elle devait boire yaourt. Elle a acheté yaourt pour finir. Le temps, je vais revenir. Elle me dit qu'elle est décédée. Donc, vraiment, faisons attention, même à nos parents. Et ça m'a vraiment touché cette histoire. Jusqu'à présent, bon, je n'arrive pas à oublier, quoi, puisqu'elle m'avait déjà prévenu. Et puis, bon, ça arrivait. Waouh! Vraiment, tu as dit ça? Ça aussi, c'est une chose qui s'est passée avec un ami que j'avais. J'ai appris que quand il voulait rendre l'âme, il a demandé à celui qui était à côté de lui d'aller juste lui prendre de l'eau, un peu d'eau à boire. Quand ce dernier est parti et qu'il est revenu plus tard, il a vu que mon ami était parti, il était déjà mort. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent savoir quand elles vont rendre l'âme, mais elles ne veulent pas que vous assistiez à cela. C'est vraiment étrange, mais ce sont les capacités qui arrivent dans les derniers jours souvent. Et Seigneur Dieu, protège-nous, protège-nous. Permets que nous puissions accomplir tout ce que nous devons accomplir sur la terre avant de partir. Mais voilà, ça n'est pas terminé. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine de tout à l'heure. Si on se bonne, abonnez-vous, activez la cloche comme je vous l'ai dit. Et restez connectés. Vous pouvez également me dire ce que vous en pensez en commentaire.